Bonjour Odette. Bon dimanche à tout le monde. Je suis à ma pause. Je mange du poulet frit, ngap. Avec des frites de banane. Donnez-moi des nouvelles. Hein. Est-ce que j'ai ma dent là qui est malgré le fait que je ne voulais pas l'arracher, je suis obligé hein, de m'en séparer. Donnez-moi des nouvelles. Est-ce que Marcelo Tunas est déjà allé exposer sa femme au stade pour se faire voir? Il n'y a pas la peine d'aller raconter que je mange avec mes doigts parce que ça ne changera rien. Je vais toujours manger avec mes doigts. Moi, je ne connais pas les couverts. Il a déjà fait où on attend encore un peu qu'il soit officiellement célibataire. Bonjour à Beau Henri. Solange Denis fait ce qui. Pardon mes soeurs. Quand vous venez sur ma part, présentez-vous-même, non? Hein? Il y a une certaine catégorie de personnes là, sur la toile. Ils viennent, l'autre vient, je ne lui ai rien demandé. Il vient m'écrire sur mon téléphone. Il me dit que s'il m'avait dit qu'il cherchait le travail, moi je ne fais pas souvent trop de bruit, mais j'ai souvent positionné beaucoup de nos jeunes frères. C'est-à-dire, je lui dis va là-bas. Il part, il trouve son petit job. Il vient inbox sur mon téléphone. Il m'envoie un message que je cherche le travail. Même plus, je suis prêt à entrer dans les loges. Et vous savez que moi, je combats ça. Il vient me le dire. Il voulait que je lui réponde comment. Moi, je l'affiche, c'est pour le décourager. Moi, je ne veux pas encourager nos jeunes femmes. Je vais vous dire quelque chose, hein. Pour ce que le diable vous donne. C'est ce qu'il prend en vous. Et il multiplie ça, il vous donne une partie, il garde une autre partie. Vous entendez ça avec quoi? Toi, tu es atterri sur ma part, va plus prendre mon téléphone. Tu viens, une boss me dit que tu es prêt à entrer dans les loges. Quand ça me choque, je t'affiche, tu viens dire que tu seras content le jour que je vais mourir. Quand? Tu vas mourir avant moi. Par exemple, tu te dis jeune, mais tu as déjà l'esprit, le level, la facilité, tu cherches ça. Moi, dans ma vie de tous les jours, je me suis toujours contenté du peu que j'ai. Hein. Quelque chose que je combats, c'est là-bas que tu viens. Il y a une autre classe, un faux profil. Les racailles des tam là, des teams là. Les femmes qui sont mal dans leur peau, elles créent des faux profils, elles débitent tout et n'importe quoi. Parfois même elles sont couchées sur leur lit de mort, elles sont en train d'insulter les gens sur Facebook. Elles viennent me dire que vous n'avez rien compris encore. Certaines personnes n'ont rien compris. Vous n'êtes pas assez caché derrière les faux profils.
Parce que tout ce que tu viens sur Internet, ou notre qui vient de, ou c'était même, ou c'est qui là même, la bêtise là, Puscaline, vous savez qu'il y a derrière le faux profil à Paris, il n'y a que elle pour s'exprimer comme ça. Padim, je te déteste à mort, j'ai hâte que tu meurs. Vous allez mourir avant moi. Vous savez, je vais vous faire, les gens qui m'écrivent ce genre de message là, moi je vous ai toujours dit, je ne me vante pas. Ma vie a été toujours comme ça. Quand tu me promets quelque chose, ça t'arrive. Même si tu ne me promets rien, ceux qui m'ont côtoyé le savent, allez leur demander. Même quand tu parles seulement mal de moi, que je ne t'ai rien fait, il t'arrive un malheur. C'est ce que j'ai choisi pour ma protection. Et vous ne pouvez pas changer ça. Tu essayes de me faire du mal, tu fais un accident. Ou bien tu es frappé par une maladie où tu ne te lèves pas, tu ne sauras jamais que ça vient. Donc, chacun fait sa protection sur lui. Chacun fait la protection qu'il veut. Mais moi, je suis consciente que j'ai beaucoup d'ennemis. Tu vas venir te cacher derrière un faux profil, tu dis que tu as hâte que... Mais tu vas mourir avant moi. Tu vas mourir avant moi. On est là, on dit que... Il y a un nouveau célibataire qui est riche dans la vie. Toi, tu vas venir me dire que je dois mourir. Je laisse Marcelo Tuna, c'est à qui? Vous buvez souvent quoi? Paye-nous quoi. Les gens sont là. Bonjour. Jacqueline, je ne vois même pas bien le nom. Jacqueline Toya. Tous ces derniers temps, les femmes sont en train de chercher leurs habits cassés kilos dans les placards. Que là où vous sortez, bande de sorcières. J'ai hâte que tu meurs. Je meurs quand les filles vont aller chercher pour aller sur le marin. Je meurs, je laisse Marcelo Tuna s'y accueillir. Mais vous buvez quoi? Vous fumez quoi? Si vous ne voulez pas que je parle, ne venez pas inbox dans mon téléphone me dire que vous voulez entrer dans les loges. Moi, je ne connais pas le chemin des loges. Hein. Moi, je ne comprends pas comment vous êtes. Vous croyez que... Vous blaguez tout. Hein. Hein? C'est une époque que tu avais... Je vais vous faire un coming back. Le nom que je porte ne m'appartient pas. C'est un nom d'emprunt. J'ai emprunté ça à papa, lui qui m'a donné son nom. Et lui, il n'a pas l'intention qu'on joue avec, qu'on traîne son nom. De tous mes frères, je suis la seule qui porte le nom de mon père. Vous entendez avec moi? Il y a une femme qui s'est levée sur la toile. Oh. On ne lui avait rien fait, je ne la connaissais même pas. Le jour là, on m'envoie ça. Je voulais répondre à cette vieille chose sexée comme le Mankandjola. Mais quand je dirais de ma page Facebook bloque, je vous le jure en vérité, ma page s'est débloquée. Quand la nouvelle de l'accident de la femme est tombée, même Dieu ne voulait pas que je lui réponde. Elle m'a promis des choses, elle a fait un direct de presque 2 heures de temps. Elle est quittée, partie faire son accident seule. La main nature lui a répondu, du tic au tac, ça n'a même pas mis une semaine. Quand vous vous apprêtez, moi je le dis toujours, hein, vous allez croire que c'est la banque, vous avez vu ces ministres-là. Les lamidos, là. Un lamido, pas les chefs traditionnels de pépette, là. Les lamidos ont une protection sur eux que tu le touches. Tu ne fais pas 2 secondes. Et j'ai la même protection que les lamidos. Faites attention. J'ai d'abord une protection naturelle et divine. Même quand mes ennemis ne s'étaient pas accrus. Parce que dans la spiritualité, quand tu es élu, quand tu es un enfant de lumière, tant que tu n'as pas mûri en spiritualité, que tu connais tous les rouages de l'ennemi, il y a des esprits divins qui sont à ta disposition et qui te protègent 1/24. C'est le genre que tu arrives parfois. Tu arrives quelque part, il va t'arriver un malheur, on te déjoue. On t'a dit que tu...
Il y a quelque chose qui te bloque. Vous entendez, Aeka? Ma vie a toujours été comme ça. Comprenez, ma vie n'a toujours été que des combats. Et pas des combats que je cherche. Mais la nature a mis en place des éléments qui me protègent naturellement. Tous ceux qui m'ont cherché, même quand j'étais toute petite, ils ont écopé. Tu es derrière le faux profil. Quand il va t'arriver un malheur, nous, on ne sera pas au courant. Dans ton vrai profil, on va mettre que, Margaret est morte. Paix à ton âme. Mais dans le faux profil, nous, on ne saura pas. On va seulement se rendre compte que, tu ne te promènes plus comme un mauvais esprit pour attaquer les gens. Vous entendez avec quoi? Évitez quand même le nom Kameni là. Moi, je vous dis ça depuis des années. Vous ne comprenez pas. Vous croyez que... Seigneur Dieu. Oula. On sait rien que je cherche à manger les os. Pas bon pour moi pour le moment. J'ai une dame qui a trop poussé. Et elle est incarnée. Excusez-moi. Ce que je vous dis là, les sorciers connaissent ça. Et bien, quand un sorcier se lève, il ne vient jamais m'attaquer seul. Quand j'étais à Toulouse, les gens comme les reines Mère Batoufam là, ils venaient seulement faire la technique de la proximité. Parce qu'en fait, lorsque vous avez une protection naturelle, vos ennemis ne viennent jamais seuls. Ils vont utiliser la technique de la proximité. Les reines Mère Batoufam, c'est des femmes qu'on envoie dans le monde occulte. Elles viennent faire l'amitié avec toi, elles finissent avec toi. Les Patrices de Toulouse. Oh, le petit sorcier. Ah, vous savez, d'un temps, elle traîne derrière ma petite soeurie seulement. Même que celle-là. Là, j'y peux. Parle de rêve avec ses amitiés bizarres, bizarres. On te fait ça dur. Attends. Elle veut t'attraper. Elle veut te demander si tu entends. Si tu écoutes les aînés ou si tu n'écoutes pas, tu vas m'écouter. By force. Je vais te donner un jeu comme ça. On t'aime pas, on va revenir en place. Entends? Quand des femmes comme ça qui ont voulu être riches, comme la bande de Hermès Batoufam. Sauf que Dieu a dit que toi, là, tu vas finir que comme ça. Et du coup, on les utilise pour des basses besognes dans le bas astral. Elles font l'amitié avec tout le monde. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Quand elles font l'amitié, elles savent que tu es quelqu'un qu'on ne touche pas. Mais on les utilise pour venir prendre des informations. Parce qu'en fait, le diable n'a pas l'omniscience, n'a pas l'omnipotence, n'a pas l'omniprésence. Il vit et respire dans vos vies quand il a ses agents dans vos vies. Entendez avec quoi, pink, on va au tepe, on va au kao. C'est pas facile de m'aimer, hein. Je suis consciente. Hein. Je suis très consciente, c'est pas facile de m'aimer. Par exemple, quand quelqu'un me voit naturellement, il voit un pouvoir que tout le monde convoite. Même pas parler des millions, même pas parler des immeubles, il voit un pouvoir divin que tout le monde convoite. Avec le monde de maintenant, là, les gens n'acceptent plus que quelqu'un porte quelque chose. Il y a une femme qui se fait dire, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ils croient que c'est pour eux. Et la jalousie commence. Parfois, dans la vie de tous les jours, vous dites que, ouais, telle est jalouse parce que non, ils sont parfois jaloux de votre étoile. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Donc, à Toulouse, elle m'envoyait les gens comme les reines Mère Batoufam. Elle vient et te colle. Il y a une catégorie de gens comme ça. Il y a d'autres. Elles utilisent d'autres techniques. Mais les gens comme les reines Mère Batoufam, elles foncent sur toi. Sauf que, comme, et les derniers de la classe, on les envoie, on ne leur donne pas les moyens. Après, quand elles viennent vers toi, même si tu veux, parce que c'est quelqu'un qui connaît tout le monde, il entre dans toutes les maisons. Je vous prends un exemple de sorcier.
Finalement, tu vas la fuir, pareil, qui manque de toi. Donne-moi 1 euro, donne-moi 2 euros, donne-moi 100 euros. Si elle manque de tu lui montres que tu peux donner, elle va monter les films parce qu'elle est dans tout. Elle fait dans tout. Vous entendez avec quoi? Alors moi, je voulais dire aux gens qui viennent me dire que j'ai hâte que tu meurs là. Il va falloir que vous sachiez, je vous avais dit ici que, pardon, quand je suis venu sur Terre, ce n'était pas prévu que je vive jusqu'à cet âge. Non, ce n'était pas prévu. Si ma propre daronne n'a pas pu me finir avec moi, si mes frères n'ont pas pu finir avec moi, ce n'est pas vous. Évitez souvent les problèmes dans votre vie. Moi, je vous le dis comme ça amicalement, je m'en fous. Mado est monté sur Facebook. Mais insulté, elle a dit qu'elle est la vraie ministre que les ancêtres ont choisi. Oh, que j'étais une pave, que tout ça, elle va me montrer, machin, pour rien. À l'époque, là, je n'étais même pas encore devenu une vieille aigrie comme je suis devenu maintenant. Je faisais mes trucs, je faisais mes prédilections pour attirer l'attention des gens. Elle est où? Amahan. Alors, c'est pour vous dire que, je ne parle pas à tout le monde, moi j'ai mes quotas sur Facebook. Elles savent au moins, ça fait longtemps qu'elles me suivent. Elles reconnaissent bien le rôle que je peux jouer pour elles. Tu quittes, tu viens, je n'ai encore rien prédit sur toi. Prends ton téléphone. On va te nous. Tu viens à un faux profil que mamie. Tu viens me dire que tu as hâte que je meure. Un autre plus là-bas, j'ai mis son nom sur ça, il s'appelle plus. Un autre qui là-bas, il vient. Il m'envoie le message. C'est toi qui m'envoie le message. Tu sais que je combats des loges sur Facebook. Tu viens, tu m'envoies un message, tu me dis que tu veux que je t'aide à entrer dans quelque chose que je combats. Vous êtes bipolaire, hein? Et quand je mets en place un stratagème pour te décourager, tout que tu parles, que tu as hâte le jour que tu vas mourir, tu vas voir. Quand je vais mourir, mes pouvoirs, je vais décider si je donne à un de mes enfants ou si je pars avec. Ou si j'adopte un autre. Le faux secours-là que vous voyez, n'est pas été élevé sur les ondes. Ou si je décide que je pars avec, personne ne peut. Parce que je vais vivre même au-delà de la mort. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Vous blaguez. Même au-delà de la mort, je vais vivre. Et j'ai encore beaucoup de temps sur cette route. La date péremptoire où il était laissé aux anges. Pas les anges, aux petits démons de m'attaquer est passé. J'ai dépassé 40 ans. Donc, je vais mourir le jour que Dieu aura décidé. Et vous tous là qui dites que vous serez mort avant moi. Nous, allez soit comme moi. Il faudra déjà avoir tout le fou. Personne n'aura même le temps pour aller lui mettre une fleur sur sa tombe. Donc les enfants seront occupés à tout vendre les bêtises qu'elle a mis sur pied. Eux-mêmes, ils seront des bandits. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Chekedo, Birake, Fero, Banani, Yambanza, Chege, Njaloujo. Yambanza Shege Njaloujo Gada Mayo Kefero. Vous levez le matin. Vous venez, une femme qui a accès derrière le faux profil. Elle dit que, mamie, c'est moi qui ai fait que ta vie, que tu sois obligé de te cacher derrière le faux profil. Que tu as hâte que je meure. Tu vas mourir avant moi. Vous blaguez. La protection que j'ai dit que toute personne qui prononce une parole négative contre le nom Kameni que je porte
soit frappé et meurt physiquement et spirituellement. Vous entendez avec quoi? Entendez avec quoi? Vous n'allez pas me dire que pourquoi je prenais le nom des gens, on s'en fout. Et vous qui êtes venu me soulever, ça fait des années que vous me combattez. Dans le monde occulte, soigne. Vous venez vous qui? Vous croyez que les enfants du bon Dieu sont là? Vous venez vous donner leur chair. Après vous allez manger, vous allez dire celui qui mange ma chair et boit mon sang. Il meurt en moi éternellement, vous manquez. Je vous ai dit que laissez-moi tranquille, pendant tranquille. Je suis la fille de papa. Un caminier est tombé, un deuxième caminier ne peut pas tomber. Restez là-bas avec votre aigre, votre sorcellerie que vous faites là-bas. Restez là-bas avec ça. Il a dit qu'il y a un nouveau célibataire dans la place, emmerdé par le monde. Merci, Azu. Là, on coucou, on va te pénal toi aussi. On coucou, on coucou, on va. Entendez avec toi. Est-ce que vous croyez que j'en ai à foutre? Le jour où je vais. Mon frère, le jour où je vais mourir, on va incinérer mon corps. Tu entends avec quoi, pauvre type? Tu es au Cameroun, tu viens te plaindre que tu ne trouves pas ça. Va faire le commerce. Ou bien on vous a dit que le commerce n'est que pour les bamniques, bande de paresseux, va. Et puis après, c'est vous qui ouvrez vos grandes gueules. On dit que ouais, les Bamileke, les montées, c'est descendu, bande de petites gens. Jumanto habite en Allemagne. Jumanto habite en Allemagne. Pour ceux qui le cherchent, Jumanto habite en Allemagne. Il est là-bas, il vit là-bas. Allez l'attraper, on voit. Birashéke Joe. Ndjalou Joe Banani. Bâtard. Il est toujours dans le... Je ne sais même pas comment je vais dire. Il est toujours dans le match, c'est-à-dire le match vu. Il a tout vu, vous avez tout entendu. Qui vous a dit que vous allez museler les gens? Quand vous êtes dans le monde occulte, là, vous emmerdez les gens, vous entrez chez nous par effraction la nuit. Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on vous souhaite la mort? Il y a des femmes des réseaux sociaux qui venaient entrer chez moi la nuit. Elles sont nombreuses, même celles que je ne m'attendais pas à ce qu'elles viennent entrer, chez moi. À un moment donné, je me suis dit, mais elles croient que là, chez moi, c'est la cour du roi Pété ou quoi? Les voleuses la nuit. Vous restez derrière les faux profils, vous dites aux gens que... Merci. Vous restez derrière les faux profils, vous dites aux gens que j'ai hâte que tu meurs, vous allez mourir. Vous êtes même déjà morte. Depuis que je vous dénonce là, vous êtes morte spirituellement. Vous êtes morte spirituellement, vous allez mourir physiquement bientôt. Vous tous. Vous mourrez même tous là-bas au Cameroun là. Et les saletés qui sont ici en Ben, qui traînent, qui remplissent les douanes spirituelles, ça diabolique là. J'entre maison par maison, je dors là-bas, quoi faire? Votre un, on est à l'ère du verso, l'ère du verso va durer 100 ans. Vous venez dire à quelqu'un qui est né spirituel que j'ai hâte que tu meurs. Vous allez mourir avant moi. Je vous ai dit que même mon esprit, je ne marche pas avec. J'ai gardé ça très long. Vous ne pouvez pas attraper mon ombre. Oui, sur Facebook. Mais là, sur Facebook, vous marchez, vous attrapez l'ombre des gens. Je mets au défi quiconque peut attraper mon esprit. Même mon esprit, je ne marche pas avec mon esprit. Pardon pour nous, Nadej. C'était moi la barbouche de la réconciliation. Je m'en voir pasteur Marcelo Tounassi. Mon cruche. Je vais lui faire une lettre d'amour. Mon cher Marcelo Tounassi. J'aurais voulu t'éviter cette lettre. Mais te parler de vive voix m'est impossible. La même lettre que j'avais envoyée à Ebenezer. Peut-être parce que je suis lâche comme toutes les femmes dans ce genre de situation, mais aussi parce que je porte un immense amour pour toi, mon nouveau célibataire. En effet, cet amour aussi passionné et étrange que j'ai toujours éprouvé pour toi
se transforme peu en peu en jalousie. Je suis jalouse de voir les femmes de l'église tourner autour de toi. Aïe! Mon bébé Marcelo Tunassi, tu es le sinus de mon cœur, le cosinus de mes désirs, la tangente de mes moments, la cotangente de mes tourments. Pour toi, j'ai un building d'amour depuis que la fluide de ton charme a touché la soupape de ma activité. Incarmanine. Vous venez sur ma main, j'ai hâte que tu meurs. Faites attention, hein, parce que je vais vous dire quelque chose. Quand tu écris, parce que je vais vous dire les doigts de la main, je vous ai toujours dit que les lignes de la main, là, en chiromancie, toute votre vie est écrite dans les lignes de la main. Allez regarder dans les histoires de true crime. Il y a des moments où on reconnaît l'assassin par son écriture. Avec votre écriture, là, votre empreinte, là, on peut même prendre son finir avec toi. Il y avait une fille, elle attaquait toujours comme ça. Elle attaquait. Elle fait la coiffure des gens. Elle tire leurs cheveux. Elle peigne les cheveux des gens. Elle n'a pas fait les pratiques avec. Il y a une femme qui était aussi compliquée. Les gens qui marchent, ils cachent leur sorcellerie comme les Aïcha Kamoual. La femme a su ça. Elle a pressé la femme. La femme est partie mettre un truc sur ses cheveux. La fille est venue la coiffure une autre fois. Elle était paralysée. Vous prenez vos doigts pour venir écrire. Tout ce que vous avez écrit là, vous le jurez en vérité, sauf si je ne suis pas la fille de Michel Carmani, vous allez le payer dans les brettes de l'air. Moi, je ne veux pas. La femme là, qui est venue là, dit que, avec sa copine, Pisse Lolomania là. Je vous le jure en vérité. Je vous le jure sur tout ce qui m'est cher. Vous allez perdre quelque chose de très cher avant la fin de cette année. Et vous allez perdre tout ce que vous avez de vous-même, de votre vie, avant que l'année ne se termine. Je le jure sur tout ce qui m'est cher. Et tant que je le dis, aussi vrai qu'il faille que la parole s'accomplisse, si vous ne perdez pas, soit vous-même, soit quelque chose de cher, je mets à défi Dieu de me dire qui suis-je. C'est moi qui vous dis ça. Puis Solomania et sa copine qui viennent raconter des histoires sur ma page là. Je vous le jure, si vous avez des enfants, que ça prenne leur tête, leur vie, toi et ta copine. Je le jure. Vous blaguez même, vous jouez même avec qui? Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Moi, je vous ai toujours dit que moi que vous voyez assis là, j'ai beaucoup combattu dans ma vie. Je n'ai pas peur de paix. Je n'ai peur de personne. Parce que j'ai foulé la mort. J'ai dit que j'ai foulé. Même pas la mort, parce que j'ai toujours été protégé. Le monde des ténèbres dont vous appartenez m'a toujours fait des misères. Donc, je ne vais pas fichier de vous. Je ne suis pas là que, ouais, marcher et tout. Je vais faire. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors, je vais marcher. Je vais marcher sur vous, je vais acheter des tu vas changer même les chaussures, je vais mettre même les talons aiguilles pour marcher sur vous. Vous n'avez encore rien vu. Venez toujours me chercher. Bande de saleté comme nous. Je vous le jure, afin que la parole s'accomplisse, pas hein? Vous venez vous dire que ouais, tu as dit marcher et tout. Les gens à qui j'ai dit ça, ils ont eu. Mais ils font. Et ils continuent à souffrir. Mais ils font, ils appuient les fesses. Est-ce qu'ils vont venir ici là nous dire que ça ne va pas? On va pas nous dire, le diable est fier. Mais je dis aux deux profils là, avec le garçon là. Il est venu sur ma page, il dit que ma chère est tout, mais vous êtes petit sorcier comme ça. Il va entrer dans le loge. Tu es au Cameroun, ils sont nombreux là-bas. Il y a quel ministre là-bas au Cameroun qui n'est pas dans au moins ces trois loges? 5, 10. Vous foutez de la gueule du bon Dieu ou quoi? Et sur ma page, là où je combats ces gens-là, que tu vas venir demander. Et quand je dis non, je ne veux pas.
Non, toi, tu vas vivre combien de temps? Avec les longs yeux comme ça, là. Je suis que tu es même un bandit. Tu vas aller voler quelque part, un jour, on va te tuer. Pour une tour, non? À l'époque, là, on brûlait les bandits. Tout un bon bas, un zémi. Pour une tour de tuyau, là. Sorcière comme ça. Elle est venue sur Facebook. J'avais pris Facebook en étage, j'avais la sorcellerie. Que fait Jean? Dans les litiges, dans ça. Vous pouvez me dire, il faut profiter, hein, par là. La date butoir est terminée. Je vais vivre. Et vous vous amusez même. Vous allez voir même mes arrière-petits-fils, hein. Blaguer avec eux. Vous savez le genre de mamie là qui n'aura plus toutes les dents dans sa bouche, mais elle sera là. Avec le téléphone, là, en train de faire les directs. Vous savez le genre de mamie là. Le colonel Yang, tu veux savoir là d'où je suis, pourquoi? Mon père Bafang, de Komako. Le père de ma mère était Baranté. La mère de ma mère Bakaka. Donc je suis Bafang Bakaka Baranté. Prends-tu pas avec? Non, non, quoi, Mouya. Même pas Bakaka Mouya. Il parle comme ça. Quand dit que Oréhe, on dit qu'un qui, bah, mon patois. Voilà. Moi, que vous voyez là, bah, le réfectoire là-bas. Je ne peux pas manger là parce que je suis une sauvageonne. Je mange avec mes doigts. Quand tout le monde mange avec les couverts, je suis en train de manger mes doigts. Donc, du coup, je ne peux pas vivre au milieu des gens. Ah, les vrais gens qui mangent au réfectoire. Voilà. Les vrais gens civilisés, les voilà au réfectoire. Oui, voici ici dehors. Quand j'entendais avec quoi? Vous devez un matin, vous avez régné ici là sur Facebook, sali les gens, traîner les noms des gens dans la boue, écraser les gens, piétiner les gens, voler les étoiles des gens. On ne disait rien. Pour peu que j'essaye de me lever, nous devons les enseignements, vous avez voulu envahir Facebook entre vous, les francs-maçons, les Illuminati et les Rosicruciens. Vous venez dans vos faux problèmes que j'ai hâte que tu sois morte. Qui ne va pas mourir avant? Je ne peux pas mourir avant vous. Rombière. Tochiou. Ça ne peut pas se faire. On ne marche pas comme ça. Quand vous regardez même sur votre fond, vous n'avez rien du tout. Vous avez vendu votre âme au diable. Vous êtes vide comme des coquilles. Je marche dans le même monde que vous. Même celles qui viennent, elles nous disent qu'elles ont atteint un niveau, c'est-à-dire que plus personne ne peut arriver. Après la nuit, elles sont dehors, elles marchent. Vous n'avez aucun repos. Vous n'avez pas pitié de l'âme que Dieu vous a donnée. Je mets au défi. Que, quand vous venez dire ça, ça veut dire que vous avez tant tout ça, pas marché. Même mon esprit. Je ne marche pas avec mon ombre. Parce que je sais que quand tu marches la nuit, il y a ton ombre qui est derrière. Quelqu'un peut ramasser ça. Quelqu'un qui est mystique. C'est comme ça qu'ils font même pour vous contrôler. Ils prennent votre ombre. Ils prennent votre ombre. Ils partent garder ce qu'ils utilisent. La plupart des gens vous font comme ça. Quand il y a le soleil, là, tout au Cameroun, là-bas, même jour. Quand il y a le soleil, tu marches, ton ombre traîne un peu là. Quelqu'un vient, il prend ça. Il met dans la bouteille. J'allais prendre mon ombre comment? Mon ombre est loin, très loin. Mbale. Allez vous renseigner ce que c'est que garder son ombre. C'est la suprématie de la protection. Mais, quelqu'un vient, il ouvre sa belle, que marcher et tout, c'est mon dieu. J'ai hâte, tu vas partir. C'est moi qui dis ça, tu pars.
Il y a le terrain à PK14, hein, on peut créer un autre cimetière. Si le cimetière de Ngodi est plein, le cimetière de Dedo est plein, vous dégagez, vous partez entrer là, vous entassez là-bas avec Mado. Là-bas, nous, vous allez faire des bombes dynamiques. Bap. Parler des choses qui vous dépassent. Mado s'était levé ici là. Elle pouvait fermer sa salle. Pourtant, elle a fait beaucoup de mal aux gens. La femme Mado chrétienne, c'est une femme qui fait du mal aux gens. Et je même rôle que les reines mères battent aux femmes. Elle sait pertinemment que elle était à force de marcher chez les sorciers. Elle allait prendre quelque chose qui n'était pas bon. Elle vient raconter sa vie aux gens. Elle vient me menacer. Elle a dit que c'est elle que les ancêtres ont choisi. Les ancêtres ont tranché. La pienne va nous nantes aussi. Donc, je vais vous dire que je suis habitué à être mal aimé et je n'aime même pas quand on m'aime. Quand on m'aime, je commence à te soupçonner. Parce que je suis habitué à ce qu'on me challenge. Oh. Vous allez bien? Ça va? Vous faites une petite balade? Hein? Merci. Vous continuez la rééducation, c'est ça? Ouais. Eh bien, ça va aller. Voilà. On donne aux oiseaux. Est-ce que vous savez que pour ceux qui veulent souvent voyager pour aller en Europe, là, quand vous faites votre dossier pour aller en Europe, parfois, quand vous êtes dans la phase décisive de votre dossier, il y a un sadakala qu'on fait qu'aux pigeons. Tu pars là où il y a les pigeons. Tu achètes le pain. Je fais ce sadaka parce que le pigeon s'envole. Vous comprenez avec quoi? Avec vos coco, on va. Tu prends coco au quoi, tépé. Vous entendez ça avec quoi? Vous parlez sur ça, vous découpez, vous donnez aux pigeons, vous leur balancez ça. Balancez ça aux pigeons, ils mangent. Et quand ils mangent, ils s'envolent, ils partent. C'est comme ça qu'ils partent, c'est-à-dire que... Parce que le pigeon, c'est un bon animal. Il est porteur de bonnes nouvelles. Hein? Vous entendez? Oh, il me faut un truc anti-dérapant. Je vais aller changer ma blouse après. Vous faites le sacrifice vous donnez à manger aux pigeons, vous voyez un peu, non? Vous parlez, c'est-à-dire vous donnez, parce que il y a un travail qu'on fait parfois. Quand quelqu'un veut voyager, quand les Njuxambengis là, ils viennent vous draguer. Allez, les grosses mecs qui ont les gros cuisses, ils viennent vous draguer. Les gars, vous partez, vous demandez à vos multiples un marabout du Cameroun. Quand t'es tard de toi, te faire venir. Ils me demandent de leur faire le travail avec le pigeon. Ils travaillent. Il met les graines là dans la bouche du pigeon, il envoie ça. Elle va se lever, venir vous faire venir ici parce que, comme elles ont décidé, qu'elles ne veulent pas rester tranquilles, elles partent toujours ramasser les pampilles du Cameroun là pour venir nous saturer les douanes spirituelles ici. Pour faire le travail là. Elle ne sera pas tranquille, elle va seulement faire. Hein? Jusqu'à ce qu'elle vienne vous chercher, Mbap. Vous entendez, non?
Quand c'est un coucou, on va au chaos là, qui attendent que je meure là. Ils viennent vous draguer parfois. Ici, elles sont désespérées. La plupart sont désespérées. Vous leur faites du travail là. Et parfois, même quand vous voulez aller déposer une demande de travail, vous allez faire le sacrifice aux pigeons parce qu'il est porteur de bonnes nouvelles. Vous asseyez comme ça, vous découpez les petits pains, vous versez, vous partez là où il y a beaucoup de pigeons. Je n'ai pas dit que vous partez avec le pain, vous partez vous asseoir devant les pigeons, vous mangez, parce que vous êtes capable de tout. Et puis faites quand même régulièrement les sadaka, des choses blanches aussi. Les gadamayos ne font pas beaucoup de sadaka. Le sucre, le riz, le lait, ça ouvre souvent beaucoup de portes. Donc, j'étais en train de dire aux gens là que faites attention. Vous croyez que il fut des années ici où il y a une dame là sur la toile, la dame que je vous ai toujours dit qu'elle est très dangereuse sur la toile. Elle voyageait, elle faisait ses voyages astrales comme elle veut, elle venait entrer chez moi pour essayer de coucher avec moi. Moi, j'attends qu'elle revienne encore. Elle va voir. Il fut une époque où je me disais, mais comment une personne que je ne connais pas, qui est sur Facebook, peut se permettre d'entrer chez moi comme elle veut et ressortir comme elle veut. Et tout. J'ai fermé toutes ces portes-là. Des gens que tu ne connais même pas. Des gens que tu ne connais pas. C'est une femme qui fait beaucoup de mal aux gens. Elle est là sur la toile. Vous entendez avec quoi? Elle a fait du mal à beaucoup. Elle fait beaucoup de mal aux gens mystiquement. Elle dit une méchanceté qui n'a pas de bonne. Moi, tous les jours, je réfléchis comment me protéger du monde extérieur, des mauvais gens. Et plus le temps passe, plus je mets en danger les personnes qui croient qu'ils peuvent entrer au boulot. Je n'ai pas envie de faire attendre ma collègue qui va aller manger. Moi, je fais attention à tout ce qui m'entoure. Pardon. Elles ont voulu utiliser les conneries qu'elles utilisent parfois sur les gens là, sur moi. Elles envoient les gars bizarres. Tu vois, quelqu'un t'écrit, il vient dire que il est amoureux de toi. Tu es amoureux de moi, tu me connais où? Moi, je vous avais dit que dans le thème relation amoureuse, pour l'instant, quand je parle de Moukala, ce n'est pas tous les Moukala. J'ai un dans ma vie qui n'est pas, c'est-à-dire qui est là, il va rester là. Parce que l'esprit de mes frères est parfois mauvais pour moi. Pas tous, je ne tire pas sur ma race. Et je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un entre dans mon sillage, il évolue parce qu'il bénéficie de mon aura. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais pas à donner mon aura à tout le monde. Donc même ça, j'ai fermé. Même ça, j'ai fermé. J'ai fermé toutes les portes. Et pour couronner le tout, parce que je ne voulais plus que mes frères noirs viennent. C'est-à-dire que je parle même des amitiés, même des copines, des amis. À un moment donné, je marchais avec des amis. Tu vois, elle ouvre une entreprise. Elle fait ça, après, elle te chie sur la tête. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... C'est-à-dire que depuis des années, je ne donne pas. Je ne donne plus. Quand quelqu'un m'approche trop, je bloque mon aura. Il ne profite pas. Elle ne profite pas de mon aura. Je ne donne pas. Quand je sais que j'ai rendez-vous avec quelqu'un, même si c'est n'importe qui, excusez-moi franchement, même si c'est n'importe qui, je bloque mon aura quand tu viens,
je me place devant toi et d'égal à égal. Si tu venais prendre, tu n'as rien. Tu vas même laisser tes plumes. Si tu venais simplement, on cause simplement, tu pars, je ne te donne pas mon roi. Je parle des gens qui viennent, qui entrent dans mon champ magnétique. Je ne parle pas des gens avec qui je traite à distance. Même ceux avec qui je traite à distance, je ne donne pas mon aura. C'est-à-dire que j'essaye de faire multiplier en toi, c'est-à-dire de faire briller en toi ton propre aura. Le monde évolue, nous aussi on évolue. Je ne suis pas une bête de somme en fait. Vous entendez avec quoi? Elles restent derrière leur téléphone. Elles envoient les Ndjuksaga de l'Europe, si. Ceux alors de l'île de France, je ne sais pas. Si ce n'est pas un Normand, quelqu'un qui vient de la Normandie ou bien du nord de la France, là, ils sont nains comme ça. Là. Moi, j'ai 1m80, je vous amène. Elles envoient les gens qui vont la draguer. Comme ça, elles vont prendre des conversations pour mettre sur leur page. Quand vous allez envoyer quelqu'un là, je vais l'allumer, je vais lui envoyer le poète de Copombière et de Marcelo Tunassi. Il va venir vous donner ça, vous allez mettre sur votre page, vous allez voir, ça va me laisser à 37 températures normales. Mais vous n'allez jamais. Je m'adresse aux femmes de Facebook qui envoient les gens sur moi là. Faites attention. Parce que quand vous allez envoyer quelqu'un, je vais chercher à connaître qui est derrière la personne. Je tape que sur vous. Et moi, quand je tape sur vous, c'est à cœur de joie. Hein. Je n'ai pas pitié de vous parce que je sais ce que vous faites la nuit et je sais ce à quoi vous êtes capable. Moi, je vous le dis. Restez à votre place. Moi, je vous avais dit que si vous voulez vivre encore quelques années, restez à votre place. N'entrez pas trop dans mon champ magnétique. Parce que je suis très mauvais ces années. Quand quelqu'un vient même vers moi et qu'il a une mauvaise intention, je t'ai dit que je te ramasse avant que tu ne mettes en place les intentions. Et j'ai encore multiplié le côté où je fais. Je ne te dis rien, je reste. Tu vas partir pleurer seulement seul. Donc faites attention. Quand vous envoyez vos bembèches là, venir dire que rien, machin et tout. Celle qui a dit là, avec le gars là, vous qui avez dit que vous êtes pressé que je meurs là, je vais m'occuper de votre cas. Vous allez voir que même derrière un faux profil, on peut vous atteindre. Moi, je ne joue pas avec vous. Vous avez les enfants dans les maisons, vous venez dire que machin et tout, c'est monté. C'est vous qui avez cherché, c'est de bonne guerre. Hein. Mais il faut aussi venir avec vos faux profils là. Quand vous serez sur vos lits de mort, vous venez nous dire que voilà. Il ne faut pas seulement faire le big mop. Aïe. Je me suis. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce truc-ci là. J'ai mis le BBL. Dites-moi, le BBL, c'est quoi? Je vais aller en Turquie faire le BBL. J'ai mis une gaine là pour aplatir mon ventre. Avant de mettre ma blouse et puis ça me met mal à l'aise. Je vais aller retirer. Je vais monter là-bas au bureau. Là, je vais enlever ça. Mets dans mon joli sac que ma jolie follower m'a envoyé. C'est ça que je porte maintenant. Il faut que tout le monde voie ça. Alors, quand j'ai quelque chose de neuf, hein, si tout le pays ne voit pas, je n'enlève pas. Même quand j'ai une nouvelle chaussure, c'est le jour-là que le programme est sorti, je marche dans tout le pays. Si quelqu'un ne voit pas, je soulève mon pied, tape par terre comme ça. On voit. Il faut que les gens voient que j'ai une nouvelle chaussure. just for fun. Bon, moi je voulais dire à ces gens-là, que ne perdez pas votre temps avec moi. Je ne suis pas un terrain sur lequel on marche aisément. Franchement, hein, c'est une vérité que je vous dis. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut prendre comme ça, spirituellement, tac, tac, tac. Ce n'est pas possible. Je vais vous dire, j'ai atteint un niveau de spiritualité qui je ne vais pas redescendre. Si jamais il m'arrive quelque chose aujourd'hui, ce serait mon jour et ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je respecte les us et mœurs de la vie. Je fais attention à tout. Je ne pose pas mes pieds n'importe où. Je ne cherche pas les gens pour leur dire que tu m'amènes dans telle ou telle chose quand. Je ne fais pas ça. Donc, je vais vivre longtemps. Au revoir. On fait comment?